Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mama Boulette. On va préparer des choux farcis. Quand on entend choux farcis, on entend farce. Chacun peut faire ce qu'il veut. Au niveau des farces, il mettra toutes les viandes qu'il veut. Bon, là on a pris un demi-chou parce que je pense que ça devrait aller vu le nombre de choux qu'on va faire. D'oignons et de carottes et de concentré de tomates, du sel, du poivre. Je mets un filet d'huile. Je vais y rajouter mes oignons minces. On va les faire un petit peu suer. Un petit peu de sel. Ainsi qu'un petit peu de poivre, vous pouvez le faire vite fait sauter avec un petit peu de vin blanc. Les oignons ont bien rougi, le double concentré de tomates. On mélange bien, un peu de farine, et ensuite on mettra de l'eau. Allez, on va rajouter les carottes. Allez, maintenant on s'en occupe plus, on va laisser mijoter. Pendant une petite demi-heure, j'ai récupéré des belles feuilles de choux. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, on va couper la nervure. En parallèle de ça, vous voyez, là j'ai des petites chutes. On va quand même les blanchir, ensuite on les mixera, on les réintégrera dans la farce. Les faire blanchir, ça veut dire les plonger dans l'eau chaude, une minute. On plonge nos feuilles de choux dans de l'eau glacée. On va couper les chutes de choux en petits dés. On les rajoutera dans notre farce. Avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on va mélanger tout ça. Allez, maintenant on va blanchir nos jolies feuilles de choux. On va mettre une cuillère de farce. On va entourer notre chou. Et ensuite, on va mettre de la ficelle de rôti. Hop, et ensuite, on ferme. Et on plonge dans notre bouillon. Bon, on a mis tous nos choux farcis dans notre bouillon. Et on va laisser mijoter tout ça pendant une bonne demi-heure. Nos choux farcis sont enfin prêts. On a le bouillon qui a un sacré arôme. On n'a plus qu'à enlever la ficelle. On va se régaler. Bon appétit.